Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre la formation Investir en Belgique étape par étape? J'ai décidé de rejoindre la formation parce que, en fait, ayant suivi les formations françaises, enfin, les vidéos françaises sur YouTube durant plus de 6 ans, dont Olivier Seban, Christophe Wagner et tout ça, on manquait un peu l'équivalent en Belgique parce que, bon, entre faire la théorie sur Internet où des gens se le disaient de bien et la pratique, surtout que la formation en France était un peu différente de notre système belge, donc c'était. Personnellement, pour être honnête, c'était la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça en Belgique. Et surtout, bon, le contenu de la formation qui est assez précis, c'est-à-dire, j'aime bien une formation, c'est d'où on quitte, on met les bases de ce qu'on va expliquer en détail, on dit où on va. Et également, que ce soit très didactique et qu'on prenne le temps aussi, de, même si c'est des points anodins, mais de revenir sur certaines choses. Donc, c'était ça qui m'a poussé à souscrire à la formation. Et c'était le fil rouge et les bonnes explications, voilà. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous parler ben justement de ce que tu aimes particulièrement dans la formation et de ce qui la différencie des autres formations ou des autres offres qu'il y a sur le marché actuellement? Ce qui m'a plu, c'est plus le fait qu'on ait une formation professionnelle, je vais dire, parce qu'il y a des formations qu'on achète et voilà, on a un peu mis des vidéos à gauche et à droite, il n'y a pas de fil conducteur, c'est-à-dire, on va commencer à parler, je ne sais pas, de trouver un bien, mais on ne va pas dire comment trouver un bien, on ne va pas dire comment aller chercher un bien, que des notaires peuvent vendre des biens, de ce réseau d'agents immobiliers, tout ça. Donc, on dit, ah, vous allez trouver le bien. Une fois que vous avez trouvé le bien, vous faites ça. Donc, c'est le petit cheminement de, OK, je dis que je vais investir. Aussi, un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est les informations personnelles. Dans le fichier personnel que tu demandes, enfin, si je peux te tutoyer, que je te demande de remplir, que tu demandes aux gens de remplir, moi, ça m'a permis de, aussi, dans le fait de remplir mes données personnelles, mais surtout mes objectifs à 1 an, à 5 ans. Moi, ça m'a beaucoup changé parce que, je ne veux pas dire beaucoup changé, mais ça m'a permis de savoir déjà, tiens, qu'est-ce que tu veux faire avant de commencer à le faire? Si je dis, tiens, je veux acheter une maison et je me calme, bon, c'est différent de d'avoir un objectif dans 5 ans. Donc, ça permet déjà de faire une remise en soi. Autant, ça m'a même fait faire une remise, même sur ma carrière personnelle, pas seulement sur l'investissement, mais ça permet de se projeter, de se dire, tiens, je veux être ça. Mais on voit un peu tous les obstacles qu'il y a et ça nous donne aussi du recul par rapport à ça. Donc, ça, c'était ça. Se connaître en soi, de deux, établir une stratégie, éviter d'aller dans tous les sens. Bon, ça, c'est un peu mon cas, sauter à gauche et à droite et ne pas avoir une stratégie fixée. Ça fait que on va un peu dans tous les sens. Et aussi, la pédagogie, c'est bien expliqué, on prend le temps, on n'est pas pressé, on revient sur des trucs qui peuvent paraître anodins, mais c'est assez important. Donc, c'était un peu la pédagogie. Et le temps d'expliquer qui est très très détaillé dans toutes les petites étapes, comment aller chercher le bien, pas seulement sur Immoweb, hein, regarder les notaires, les concierges, tous ces petits trucs comme ça. Donc c'était vraiment ça, sur la partie travaux aussi. Donc c'était tous ces petits aspects-là, étape par étape, on sait ce qu'on fait et où on va. Ok, super. Et que dirais-tu maintenant à quelqu'un qui hésite à rejoindre la formation, mais qui a encore peut-être quelques doutes? Moi, personnellement, sans faire de publicité à qui que ce soit, moi, je dirais, bon, on ne fait pas ce qu'on ne connaît pas. Je dis, on investit pour des montants de plus de 200 000 euros. Donc, investir dans une formation, c'est le béaba. Donc, c'est vite de. Enfin, je vais prendre un cas. Durant la formation précise, on parle peut-être des différés de crédit, mais OK, on dit de faire un différé de crédit ou bien. Comment est-ce que le faire, ou bien comment est-ce que jongler sur certaines astuces, comme on dit, prendre peut-être des frais de travaux qu'on va finir à la fin. Donc, c'est dit, le temps de se former, ça peut être un prix pour certaines personnes, mais il vaut mieux payer un certain prix une formation que de se dire, tiens, si je le savais, je n'aurais pas pu investir, surtout en sachant qu'un crédit, ça nous suit sur 20, 25 ans. Donc, pour moi, je trouve que la formation, c'est très, très important et c'est une bonne formation. Ça permet à autant un débutant qu'à un intermédiaire d'avoir une idée de dans quoi il s'engage.
Super, parfait. Et est-ce que tu pourrais me dire comme dernière chose ce que tu penses du formateur, donc à savoir moi, qu'est-ce que tu penses du fait que ça soit ben, une femme qui explique de l'immobilier? Est-ce que tu es satisfait de la manière dont c'est expliqué? Est-ce que tu as vraiment trouvé ce que tu cherchais en fait dans cette formation? Personnellement, femme ou homme, moi, c'est bon, ça m'est égal du moment où j'apprends quelque chose et que je peux gagner des sous. Donc, j'ai un peu cette mentalité. Ça ne... Pour moi, homme ou femme, c'est mon dernier critère. Je ne regarde pas ça. Donc, que ce soit une femme, au contraire, c'est même plus agréable, je ne veux pas dire plus agréable, mais ça surprend et dans le bon sens. Parce que quand on voit un peu tout ce que tu connais sur les travaux, ben, il y a beaucoup d'hommes qui ne sauraient pas. C'est-à-dire qu'on va visiter une maison, voilà, ouvrir peut-être les fenêtres pour vérifier si c'est bien fait, le plancher, est-ce que c'est un plancher en bois ou bien en béton pour les assurances. Donc il y a beaucoup de petites astuces qu'on ne sait pas un peu quand je vois chez toi. Tous les problèmes aussi que tu as dû résoudre avec ta dernière maison que tu as sur YouTube avec le problème des pigeons, tout ça, comment régler les problèmes. Donc aujourd'hui, je pense que l'investissement, homme ou femme, pour moi, c'est le dernier critère. Donc, c'est plutôt agréable parce que ça motive à se dire, ça, je ne sais pas si c'est, ça ne va pas faire macho de dire, si une femme peut le faire, c'est qu'un homme peut le faire. Bon, j'espère que ça ne va pas être mal pris ce que j'ai dit, mais il faut que ce soit plutôt pris du côté positif. Ouais, on avait compris. En tout cas, un grand merci pour ton témoignage. Est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaiterais partager au sujet de la formation ou même de la communauté qui se crée autour de la formation? Ah oui, ça aussi, pour avoir souscrit à la formation, moi je dirais le groupe, franchement, ça aide énormément. Moi, il y a des trucs que j'ai appris là-bas dans Elodie, dans sa formation que j'avais achetée il y a quelques mois, qui donne accès au groupe Facebook et aux formations en ligne. Il y a une communauté Facebook qui permet à ce que les gens posent des questions et on a des réponses dans la journée. Donc moi, je trouve que c'est bien, surtout, et on n'est pas abandonné. Donc même si vous ne... Il n'y a pas un coaching pour celui qui se dit, tiens, je n'ai pas peut-être les moyens de suivre un coaching personnalisé avec Elodie. Ben, le fait de poser au moins la question là-bas, ben, on a la réponse à sa question. Donc, ce n'est pas qu'on prend une formation et on est largué. Donc, il y a au moins ça. Il y a des gens qui ont fait des erreurs là-bas et des gens qui ont fait des bonnes choses. Donc, ça nous motive aussi, nous, de notre côté, à avancer. Donc, c'est une très, très bonne idée d'avoir ce groupe Facebook et la formation en ligne qu'on peut revoir indéfiniment. Donc, moi, je suis de nature assez critique et quand je paye mon argent, j'aime des résultats et là, je suis satisfait. Si vous aussi, vous souhaitez devenir un investisseur rentable en Belgique et gagner de l'argent chaque mois avec l'immobilier, alors n'attendez plus et rejoignez la formation Investir en Belgique étape par étape, ainsi que la grande communauté des investisseurs qui se bougent et qui passent à l'action pour obtenir des résultats massifs en Belgique. Vous retrouverez toutes les informations au sujet de la formation en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite et ensemble, n'oubliez pas, nous ferons de votre projet immobilier un succès.